Thanks, TT Superbike. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons jouer à Manx TT Superbike, comme expliqué dans, avec la jolie voix sympa. Un jeu qui nous fera voyager autour, bah, vous l'aurez compris, du Tourist Trophy. Normalement c'est ça, un TT Tourist Trophy. Et sponsorisé par Honda Castrol Superbike. D'ailleurs c'est marrant, ça fait penser qu'ils ont sorti aussi un jeu en même temps. Sur Saturn il me semble, sur PlayStation aussi. On l'a même testé d'ailleurs, je crois que c'était Castrol Honda Superbike Racing, un truc comme ça. Donc c'est marrant qu'ils aient aussi participé à ce jeu. Quoi qu'il en soit, donc c'est parti. Alors c'est un jeu qui normalement est un jeu d'arcade, donc on a la version arcade et la version Saturn, on verra s'il y a une différence derrière. On a une time trial, on a un mode de joueur si j'avais un ami avec moi. On peut changer les contrôles et la configuration du son. Je vous propose de faire un mode arcade pour commencer, on verra à petit près le mode Saturn. Donc on a un TT Road ou le Loxay Coast, on va prendre Loxay Coast, c'est parti. Manual or automatic, donc c'est marrant, on a la petite moto qui change de sens. On va garder l'automatique pour le début. Et j'imagine que c'est comme tout jeu d'arcade, il vaut mieux jouer en manuel si on veut gagner. Mais là le but n'est pas forcément de gagner, c'est juste de découvrir un petit peu le jeu. Et donc c'est parti, alors vous pouvez voir qu'on a une vue embarquée, une vue de derrière, et puis c'est tout. Concrètement, il n'y a rien d'autre. On n'a pas choisi notre modèle de moto, ce qui est possible en mode time trial. En fait, quand je dis modèle de moto, c'est assez bête, c'est simplement choisir les caractéristiques de la moto, si on veut plus de maniement, plus d'accélération, plus de vitesse. Et on a Team Extend, oh là là, ça glisse un peu. Déjà, je peux vous donner une différence par rapport à la version du Time Trial. C'est que la moto glisse beaucoup plus. Ouais, à ce coup, ça glisse. Il faut quand même faire attention. Voilà, on passe par là. On a un timer, comme tout jeu d'arcade. Ça, ça change pas beaucoup. Il va falloir s'habituer à cette moto, hein, qui est quand même a tendance à glisser quand on tourne un peu fort. On est 4ème sur 8. 8 concurrents seulement, hein, c'est pas beaucoup. Mais je pense que ça suffit quand même pour le plaisir. Faut voir surtout si les concurrents sont utiles ou pas, parce que souvent si vous jouez à, par exemple à Daytona USA, vous vous rendrez compte que bah, même le fait qu'il y ait 20-30 concurrents, ça pas à rien, ça pas à rien, ça pas à grand chose, parce que finalement ils sont un petit peu là positionnés n'importe comment, et bon ça, je rajoute un petit peu d'événements en piste, mais il n'y a pas d'intérêt forcément en termes de bataille avec eux. Et donc on est sur Sega Saturn, je pense que ça se voit, hein, toujours pour le même défaut que je cite à chaque fois, hein, l'ombre en damier, pas l'ombre en PNG. Et des graphismes propres à la 32 bits, décidément ça en fait. Alors là c'est le premier circuit, donc c'est pas le circuit le plus difficile, on peut prendre tout à fond, j'ai quasiment pas relâché l'accélérateur une seule fois depuis tout à l'heure, hein, pour vous dire. En plus le fait qu'elle glisse un peu plus ça aide vachement. Allez voir, on va céder de ça justement pour prendre le prochain virage. Et on va prendre sur la ligne en deuxième position, il reste plus qu'un tour. Alors ce qui est marrant c'est qu'on se fait pousser, rattraper, on sait pas pourquoi. D'un seul coup on va plus vite ou moins vite. Alors évidemment il y a le dénivelé qui joue un petit peu, j'ai l'impression. Le fait de monter ou de descendre. Ben, ça influe sur la vitesse, ce qui est plutôt logique, mais ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux. Oula, on va faire attention, bien prendre le virage, voilà. Sachant que quand je glisse, je perds un petit peu de vitesse. Pour l'instant, on est second. Alors pour gagner le premier, ça va être difficile, j'ai l'impression, parce qu'il est quand même bien ancré en seconde position.
Il n'y a pas d'autres touches, hein. C'est vraiment accélérer, freiner, changer de vue, tourner gauche-droite. On peut changer de vitesse quand on est en manuel. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de plus. Alors le jeu souffre d'un clipping assez élevé. Le jeu est sorti en 97 normalement, sur la Saturn. Bon, la Saturn c'est habituel, hein. Le clipping c'est comme sur la PlayStation. Il est assez présent, mais il n'impacte pas trop parce que finalement on voit plutôt loin. En plus, on a fini second, c'est pas trop mal. On a droit à une petite. Voilà, petite animation de fin, il est content. Et des gens autour qui sont totalement pas animés, c'est un petit peu dommage. On peut faire un petit effort quand même à ce niveau-là. Et on peut rentrer notre nom à 58 secondes. Oh là là, attendez, hop là. Pour une fois que je vais mettre un high score sur un jeu d'arcade, on en profite et j'ai fait le cinquième tour, donc on aurait pu tourner bien plus vite. End. Je sais pas, non voilà, j'allais dire s'il y aurait une cinématique, non, je pense qu'il faut gagner pour ça. Donc là c'était le mode arcade, on va faire la deuxième course du mode arcade, tant qu'à faire, on va essayer de voir la Titi course. Voilà, Toys of Big Race. Et nous sommes partis. Alors je ne vois que deux cours, je sais pas s'il y en aura une troisième, je pense qu'il y en aura peut-être une troisième, mais en tout cas c'est pas visible là. Bon, j'ai fait un mauvais départ, j'imagine. Je pense qu'on peut faire un départ un peu mieux. Alors, c'est pas mal, c'est assez fouillis en termes de détails. Ça a pas l'air comme ça, mais on voit les maisons, il y a pas mal de choses, pas mal de détails. Il faut vraiment regarder ça rapidement, mais c'est plutôt bien rendu. Alors là, je ne connais absolument pas voilà, cette course, donc on va essayer de faire attention. Je sens que je vais me prendre tous les murs. Il faut vraiment connaître par cœur ce tracé. Et là, ça ressemble vraiment à la TT Race. Hein, si vous regardez la Taurus Trophy en vrai. C'est vraiment ce genre de choses auxquelles on roule, hein, c'est-à-dire la particularité de, ce championnat de Tourist Trophy, c'est qu'on est sur l'île de Man, et l'île de Man qui est située entre les. Je crois que c'est l'Irlande et l'Angleterre, juste entre les deux. Et on a réellement des courses qui se passent à travers des villages. Il n'y a pas d'imitation de vitesse, il me semble d'ailleurs, cette île, c'est une des particularités de celle-ci. Et on a des pilotes lancés à toute berzingue en moto, voilà, avec même des sauts comme ça, hein, c'est vraiment pas exagéré, bon, peut-être un peu quand même, mais. Dans la vraie vie, c'est ça, hein. Vous allez voir des pilotes de moto limite sauter avec leur moto pour prendre le virage rapidement. Donc là, on prend une portion qu'on connaît, puisqu'on enjambe en fait le circuit tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment, mais alors vraiment, des courses ultra impressionnantes. Il y a des morts hein, encore cette course, bon, surtout au niveau des pilotes, pas forcément. Oh, j'ai bien pris plutôt pour une fois. Plutôt au niveau des pilotes, hein, parce que bon, le public en général craint pas trop, même s'ils sont vraiment très proches. Et si vraiment vous voulez voir des motos de frais lancées à 300 km/h dans des petites rues comme ça, hein, mais vraiment, je vous dis, c'est comme ça en vrai quasiment. Évidemment, la pistolisation en moins, le clipping en moins. Mais voilà, je vous dis, allez voir la Tourist Trophy à l'île de Man, c'est ultra impressionnant. Franchement, je suis pas très moto, mais s'il y a vraiment une course que j'aimerais voir en moto, c'est vraiment celle-là. Parce que ça doit être vraiment mais tellement beau à voir. Et les pilotes ont vraiment. Enfin, quand. C'est vrai que ça fait très machi de dire on découille, mais concrètement, c'est ça. Hein. Il faut avoir un. Oh faut être vraiment être sûr de soi parce que, à cette vitesse, là, je me plante. À cette vitesse, le moindre accident, mais c'est fini. Vous êtes dans le mur, vous êtes dans la palissade. C'est vraiment impressionnant. C'est mec, voilà, je le redis à nouveau, c'est ultra impressionnant, regardez. Donc voilà, Tourist Trophy sur YouTube, je vous laisse regarder des highlights par exemple, ou clairement la course entière. Ça vaut vraiment le coup. Et nous, bah, de notre côté, bah, on est 4ème sur 8 pour le moment, c'est pas super, mais bon, pour la première fois que je fais la course, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme défaut à ce jeu? Bon, bah, le maniement, vous voyez, hein, gauche-droite, j'imagine encore une fois qu'on peut doser peut-être un peu plus, mais il faut savoir que la manette de Saturn n'a pas forcément de joystick, hein, si vous n'avez pas le pad 3D, qui d'ailleurs, je crois, est sorti un ou deux mois avant celui de 64, pour la petite histoire. Je me demande si Sega n'a pas fait exprès d'ailleurs, même si c'était pour la sortie de Night into Dreams, ils n'ont pas fait exprès pour. Pour faire la nique à Nintendo, mais bon, finalement ça n'a pas trop marché parce que Nintendo sera quand même mieux vendu que la Saturn. Je parle à 64 évidemment. Et donc bah, sur le pad classique Saturn, on n'a pas de moyen de vraiment doser les virages, hein, c'est comme c'est le cas ici. C'est pour ça que vous voyez souvent faire gauche-droite, c'est pas très joli à voir, mais malheureusement j'ai pas trop le choix. Et là encore une fois. Alors, le circuit est plutôt passionnant, il n'est pas spécialement compliqué, enfin il est légèrement, mais. Ouais, bon, une fois qu'on a compris un peu, hop, ça tourne plutôt bien. Le maniement est plutôt bon. Alors, je vais vous laisser un petit peu le jeu tourner, parce qu'on est quasiment à la fin.
Et vous remarquerez aussi que le jeu est pas très difficile, dans le sens où voilà, j'ai pas eu de timeout, il m'a resté 16 secondes à la fin, j'ai pas trop fait une bonne impression quand même. Bon, je finis 3ème, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est marrant, c'est la vitre en fait. Ils se sont amusés à faire une vitre transparente, mais ils auraient même pas dû. Ils auraient limite faire une couleur bleu ciel. Ça rendait beaucoup mieux qu'un amas de pixels. Et voilà, on a fait le 3ème temps, ce qui est plutôt bien. Voilà, on va faire ça. Hop. This is the end. Alors là on a fait le mode arcade, on va voir le mode Saturne, c'est une petite différence justement. Le time trial je trouve que ça sert à rien parce que bah, c'est les mêmes courses que vous allez pouvoir faire en 3 tours, 5 tours ou en infini. Ce que j'ai fait d'ailleurs avant de jouer au départ pour montrer un petit peu. On a un mode practice, un mode challenge, un mode superbike, bah on va mettre le mode challenge Saturne, on va voir ce que c'est. Ah voilà, donc là on choisit notre moto. Le seul problème, vous allez vous rendre compte, on peut changer pas la moto en elle-même, on peut changer juste la couleur. Et le saviez-vous? Si vous changez la couleur de la moto, ça change ses caractéristiques. Regardez, hop là, bleu ciel, on a plus d'accélération, moins de vitesse. Là, on a meilleure accélération, meilleure top speed, mais moins de handling, donc de... comment dire, de facilité, de maniabilité. Et je propose de prendre la moto la plus rapide carrément. On va s'amuser à ça, on va prendre celle-là. La verte, elle a l'air au poil. Et on va garder en manuel. Alors ça, la course 1, on va voir si c'est en plusieurs manches. Sachant que là c'est un mode typique de la Saturne, hein, c'est pas le mode arcade, donc là on sort vraiment du jeu de base. Bon là pareil, hein, je pense que j'aurais dû faire attention en accélérer. L'accélération est assez longue d'ailleurs, hein, si vous restez appuyé sur le bouton d'accélération, vous allez voir ça monte, mais le curseur monte pas d'un coup, hein, c'est pas comme dans certains jeux où c'est d'un coup on-off. Ah par contre c'est un mode challenge avec 26 secondes de time. À mon avis ça devrait être plus compliqué, on va voir. On va voir si c'est plus dur ou moins dur que la version arcade classique. Normalement j'ai la meilleure moto, donc je devrais avoir une vitesse de pointe plus élevée et une maniabilité un peu mieux aussi. Donc on va voir si c'est vraiment le cas ou si c'est juste visuel. Alors je suis pas tombé, vous voyez je tombe pas hein, quand je prends le mur. Je perds un petit peu de vitesse, mais j'ai jamais vu encore le pilote tomber d'un coup. Faudrait essayer de se planter vraiment de face, voir ce que ça fait. Et on est quasiment déjà fini le premier tour. Il y a 3 tours à faire, on le voit à droite. Enfin à droite, oula, l'autre droite, à gauche. Décidément. Voilà, deuxième tour. Et là on est à 173 km/h. Miles par heure, non même pas, c'est les miles par heure, c'est-à-dire qu'on est vraiment plus rapide que ça. Je vous rappelle que pour obtenir des miles, il faut multiplier le nombre de miles... Enfin, pour obtenir les kilomètres-heure, pardon, il faut multiplier par 1,6. En général, pour pas vous embêter, vous rajoutez la moitié du chiffre. Donc si vous êtes à 184, vous divisez par 2, ça fait 60. Vous rajoutez donc 60 à 180, par exemple. Et ça vous fait donc 240 km/h. Vous voyez, comme ça, c'est pas forcément... c'est pas forcément le plus pratique, mais c'est le cas. Et là, j'ai tapé l'IA, mais ça a rien changé. C'est plutôt bien passé. Alors les collisions sont dégueulasses, mais bon, elles sont pas trop impactantes en termes de gameplay, ça reste toujours assez fun. C'est un jeu qui se veut fun à la base, un jeu d'arcade de toute façon. C'est rarement fait pour être ultra simu. C'est d'ailleurs le mot inverse en fait d'arcade, hein, simulation. Donc. Par contre, j'aimerais bien remporter une course. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce que ça fait. Est-ce qu'on a une petite cinématique de fin, d'intro, etc. Alors c'est dommage que là en mode challenge, effectivement, je pense qu'on n'aura rien. Ouah, 185. Alors le jeu est plutôt fluide. Bon, évidemment, c'est fluide de façon 30 images secondes. Hein, des fois un petit peu moins. On sent que ça saccade un petit peu des fois, mais... Mais de manière générale, il n'y a pas de gros ralentissement. Après, le jeu n'est pas le plus beau jeu qu'on ait pu voir sur Saturn, loin de là non plus. Hein. Alors on est bien placé. On est bien placé. Vous voyez quand même que les textures sont un peu bizarres sur le dessous. Là on a l'impression que on est sur un rouleau légèrement. Vous voyez les rouleaux par exemple quand vous faites dans la salle de sport pour faire du running. Bah ça redescend, ça fait le tour par en dessous. Bah là on a l'impression que c'est pareil. Et là on a gagné. Ah ah, alors qu'est-ce que ça fait quand on gagne? Bon là j'ai gagné que le premier round, mais qu'est-ce que ça fait?
pense qu'on aura rien. Non, on a juste un temps. Oh, I am, non, ça va rien dire. Enfin, I am, à la limite. Hop, fort un petit coucou au groupe. On a la Titi course de Rise 2. On va voir si on gagne quelque chose après. Si on gagne pas, bah tant pis, on fera avec. Et là, je pense qu'on est un petit peu mieux parti, ou c'est un effet d'optique peut-être. J'ai essayé de pas accélérer à fond dès le début. Bon, là, il y a un gros virage. Alors, pour le gros virage que je fais en général, c'est que je lâche l'accélérateur. Bon, sinon, ça a pas trop marché finalement, mais bon, on aurait essayé. Voilà, par contre, la moto, je pense qu'elle sera pas à haut niveau. Oh là, bon, des sauts comme ça en vrai, donc faites pas exagérer, mais. On n'est pas loin. Oh là là, attention. Bon, ça va, je suis passé derrière le poteau. On va dire que le jeu est sympa pour sympa avec moi. Oula, alors j'ai tout tapé. Mais heureusement, ça n'a rien fait. Enfin, le jeu est plutôt fun. Franchement, moi je trouve qu'on se marre plutôt bien. Alors c'est un petit peu dommage alors que deux circuits, peut-être qu'il y en a un troisième, hein, je suis peut-être mauvaise langue. Quelque chose me dit qu'on peut débloquer le circuit en entier. Allez, on y croit, il faudrait qu'on gagne pour ça par contre, pour voir le circuit en entier. Il y a trois tours à faire en plus, donc ça va pas être facile. Bon bah on va se les prendre, hein, tant pis. Ah, le jeu est quand même ultra permissif en termes d'accident. Ah, en fait les petits teasings c'est quand on change de position, j'avais pas fait attention. Alors comme j'ai eu un problème de son avec comment ça s'appelle, avec Sega Rally, j'ai peut-être baissé le son du jeu un peu trop. Donc limite ce qu'on va faire. Quoique non, quand je parle j'ai pas l'impression d'être trop au-dessus du jeu, donc ça devrait être bon. Bon, j'espère que c'est bon. Écoutez, hein. Là vous devriez même entendre de toute façon sur Sega Rally, ça c'est une certitude. Après, mais entendre de beaucoup ou pas, c'est autre chose. Allez, je vais me taire un petit peu. Ah ouais, ça fait vraiment rien du tout. Par contre, on n'aurait pas gagné la course. Oh, on a même le troisième qui nous est passé, le deuxième qui nous est passé devant. Je vais pas me laisser faire là. Oh, j'ai réussi à prendre à fond. Au bon moment en plus. Ouais, donc faut vraiment prendre les extérieurs si on veut le prendre à fond. Est-ce qu'on va pouvoir gagner quand même? Oui! Ah bah super, pour une fois qu'on gagne. Pas dans un jeu d'arcade, je précise. Alors, on a réussi. On va mettre notre nom. J'appelle pas Jim, mais c'est pas grave, on fera comme si. Je me suis trompé. Oh, il y a le 23. Ah, c'est Lexicost Mirrored. Donc en fait, c'est juste à l'envers. Bon, on va voir. À l'envers, ça va être un peu compliqué. Oh, et puis il fait pas beau. Enfin, il fait pas beau, il fait.
Allez, c'est parti. Bon, je pourrais vous laisser cette vue, hein, qui est vraiment impressionnante, mais vous voyez, ça va être un petit peu la gerbe, donc on va laisser comme ça. Oula, c'est très bizarre. Je sais pas en fait ce qu'il faut pour être qualifié ou pas pour la suite. Est-ce qu'il faut juste terminer dans les trois premiers? J'en ai aucune idée. Ah, du coup, le virage de fin devient un peu plus facile. Non, quoi qu'il faut un peu le dire vite. Bon. Oh, on les passe vite là. Oui. J'ai même fait prendre un moto vert parce que finalement, même si elle a un tour un petit peu moins. Elle reste quand même vraiment bien pour la vitesse de pointe. On s'est fait reprendre en vitesse. Alors c'est là il faut faire attention. Voilà, c'est une zone là. On y arrive, voilà, c'est ce virage là. Ouais, ça se passe plutôt bien. C'est marrant parce que quand on est en l'air, on gagne de la vitesse. Alors que logiquement, on est censé en perdre hein, puisqu'on accélère dans le vide. Mais non, dans ce jeu, on en gagne. Eh, le time limit, il commence à être de plus en plus faible. Si j'ai pris un TR pour pas me faire dépasser, bah voilà, finalement, il m'a quand même dépassé, ça a rien changé. Oh, ils sont tous derrière là, regardez-moi ça. Peut-être qu'il y a une aspiration, hein, je sais pas. Bon, finalement on remporte la course quand même, donc je pense qu'il va rester une dernière course, puis après ça sera la fin. Ça serait marrant qu'on finisse le jeu maintenant en une fois, hein. C'est-à-dire en gros, en l'espace d'une demi-heure, finir un jeu, ça serait un peu le coup critique. C'est-à-dire que le jeu là, il est vraiment facile. N'empêche ce coup de rentrer l'aide comme ça là. Mais c'est tellement Sega Rally quoi, enfin je veux dire, c'est tellement n'importe quel jeu d'arcade, il n'y a aucune différence. Ils auraient très bien pu faire un jeu où par exemple on... Mais en fait ils ont fait ce système là parce qu'à l'époque quand on était sur la salle d'arcade, on mettait soit le volant à droite soit à gauche, c'était pas vraiment une manette en fait, on n'avait pas de croix directionnelle. Donc ça permettait justement de pouvoir sélectionner les LED plus facilement. C'est pour ça que vous avez le système de gauche à droite et pas un système d'écran avec le clavier affiché, etc. Oula, c'est particulier là, va falloir s'habituer. J'ai fait n'importe quoi. Ah, alors autant à l'endroit ça va, mais à l'envers, je m'attendais pas trop. Et le timeout est déjà très très proche. Je sens qu'on va avoir fait les malins pour pas grand chose parce que finalement on va avoir galéré quand même. Alors souvent, il y a des courses qui sont pas étudiées pour être faites à l'envers. On va voir si c'est le cas là, mais là, parce que les virages, en fait, je sais pas ce que ça va donner une fois. Bah non, c'est bon, en fait, on l'a réussi. C'est plutôt bien passé. On va voir si ça se passe bien. Ah, je vous jure, hein, si on finit le jeu, je le passe en mode test ou walkthrough, enfin les tout en même temps quoi. Parce que
si en faisant un test je finis un jeu, là c'est quand même violent. Oh là, je me suis tout pris. Oh là là, oh ici il y a un accident. Eh ben voilà, on l'aura vu, il y a eu un accident, c'est possible. Bon moi j'ai aucune vitesse du coup. Bah faut vraiment que je fasse gaffe au troisième tour parce que j'ai perdu trop de temps en faisant ça. Ouais, je passe à 9 secondes au checkpoint, c'est pas bon. Heureusement, j'ai quelques virages où je suis un peu plus rapide qu'eux. Voilà, on les rattrape un petit peu, voilà. Parfait. Voilà, c'est ce pif-paf gauche-droite que j'avais fait tout à l'heure. Je me posais la question si ça allait être faisable dans l'autre sens sans trop de galérer. Bon, finalement, ça va. Voilà, par contre, on est qu'à 9 secondes. Allez, ça commence à réduire. 8 secondes maintenant. Alors je pourrais freiner mais bizarrement j'ai pas envie. Bon ça va. J'ai perdu un peu de vitesse mais je l'ai mieux pris que tout à l'heure. Ça sera suffisant pour remonter. Et vous voyez le pilote qui s'est crashé. Mais il est carrément au milieu du circuit. Donc pour vous dire que c'est quand même assez impactant. Ouh le checkpoint, il commence à vraiment être proche. Ah en plus l'endroit où je pouvais rattraper tout le monde, je me suis loupé. Aïe aïe aïe, ben voilà, j'ai encore fait tomber quelqu'un, j'ai même écrasé le pilote. J'ai tué deux personnes, Peter. Voilà, c'est sûr, je vais pas gagner. Je suis même pas sûr d'arriver jusqu'à l'arrivée. Ouf, c'était chaud. 2 secondes seulement. Bon bah deuxième c'est pas trop mal. Et donc maintenant bah c'est dommage qu'on perd à la dernière course. Enfin on finit que deuxième à la dernière course. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'ai hâte de savoir. Alors. No try again to get super bike. Attendez, on peut gagner des super bikes? Le jeu est pas fini. C'est génial. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon, je peux rien faire. J'ai l'impression que j'appuie sur des boutons, il se passe que dalle. D'accord, et je suis censé faire quoi là? Parce que j'appuie sur tout, il se passe rien. Peut-être attendre un peu. Ok. Bon bah écoutez, je peux rien faire. C'est génial. C'est génial, je peux... Non, non, il se passe que dalle. Je fais A, B, C, je fais XY, il se passe que dalle. Il se passe rien du tout. Les gâchettes non plus, il se passe rien. Bon bah écoutez, tant pis. Tant pis, on va se quitter là-dessus. Bon bah apparemment il y a les super bikes dans le jeu. Donc alors vous le verrez pas. Donc malheureusement il faudra aller plus loin dans le jeu si vous voulez continuer. En tout cas le jeu est pas mal. Franchement il est plutôt cool. Très réduit quand même dans son mode arcade. Hein, il n'y a pas grand chose. Même si là il y a un nouveau mode de jeu j'aurais trop voulu tester. Mais ça reste un bon jeu. Bien cool, bien fun. Voilà donc je le conseille. Si vous avez une Sega Saturn, essayez-le. C'est plutôt sympa. Même si je pense qu'il y a des jeux qui sont encore un peu mieux. Genre Road Rage, Road Rash plutôt. Voilà. Allez, écoutez, on se laisse là-dessus. Je vous dis, ma musique est vraiment spéciale par contre. Allez, ciao, à la prochaine, ciao tout le monde.